Michael Tanguy, gérant de la société SCO de Carmancy, société située dans le Morbihan à la Trinité-sur-Mer. C'est une exploitation dite gros, c'est-à-dire vente d'huîtres en gros, avec un tonnage autour des 400-500 tonnes d'huîtres creuses et à peu près 30 à 40 tonnes d'huîtres plates. Je suis venu aujourd'hui dans un chantier ostréicole avec évidemment les professionnels représentés par le CRC mais aussi la DDTM, la DML donc, et puis la DDPP ainsi que l'ensemble des acteurs de chez ACTA, cette collectivité, qui avec nous sont en train de rénover l'ensemble des réseaux d'eau usée. Il s'agit avant tout de prévenir les incidents qui ont émaillé l'année 2019-2020 et qui ont conduit à ce qu'une bonne partie des ostréiculteurs ne puissent pas vendre leur production. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons d'abord fait un point sur l'expérimentation que nous menons sur la partie détection. Il s'agit de concevoir un système prédictif qui permet, en fonction de la météo, en fonction des crises sanitaires, donc l'épidémie par exemple de gastro-entérite, etc., mais aussi de la courantologie, de voir et d'anticiper sur les éventuels épisodes de pollution et permettre ainsi aux ostréiculteurs de mettre production à l'abri. Deuxièmement, on a mis en exergue la volonté affirmée de l'État à travers la DECIL relance. Le plan de relance vient faire un effet levier en finançant très largement la rénovation des réseaux d'eau usée. Normalement, cette compétence est exclusive des collectivités, mais là, nous avons décidé, avec les collectivités, de marquer le pas, de faire un effort exceptionnel. Et donc, ACTA a aussi décidé de mettre un coup de booster sur l'ensemble de cette problématique. L'ensemble des collectivités, notamment littorales, sont concernées. Et avec l'ensemble d'entre elles, nous allons également travailler à la rénovation de ces réseaux, à la veille sur les débordements des steppes, etc., de façon à ce que ces épisodes ne se reproduisent pas. C'est l'occasion de faire un point sur la situation sanitaire, faire un point sur la situation de la mise en œuvre de la réhabilitation des réseaux d'assainissement sur tous les chantiers qui sont lancés par la communauté de communes. Et aujourd'hui, en tant que président, moi, je suis plutôt optimiste puisque on travaille très très bien avec les services de l'État, on travaille très très bien avec l'agence de l'eau. Les travaux avancent, la crise est toujours menaçante, mais en tout cas, on est plus que déterminé à continuer notre plan pluriannuel d'investissement sur l'assainissement. Ce qui est important, c'est qu'on a mis un dispositif avec les services de l'État en place d'alerte avec différents codes couleurs qui va du vert au rouge de manière à pouvoir anticiper les problèmes à risque et les périodes à risque. Et c'est ça qui est important pour nous parce que plus on sera prévenu en amont qu'il y a un potentiel risque, plus vite on pourra mettre les coquillages en protection. Il faut qu'on arrive à mettre en place un certain nombre de dispositifs et notamment des bassins de purification, des systèmes de circuits fermés pour qu'on puisse se mettre en protection lorsqu'on a une contamination qui puisse arriver. Mais quelle qu'elle soit la contamination, donc on est obligé de travailler sur ces sujets et on va tout mettre en œuvre pour que les entreprises puissent continuer à travailler. On a travaillé depuis pratiquement maintenant un an à élaborer les travaux prioritaires sur le littoral et de planifier les investissements futurs à organiser avec des financements de l'agence de l'eau qui peut aller de 30 à 60%.